prophète là-bas, levez-vous. Yeah, stand up. Lève-toi. Can I talk to him? Est-ce que je peux te parler? There is a complication. Il y a la complication. Complication in your pregnancy. La complication dans ta grossesse. Oui. There is a complication. Complication. It's your first time. Est-ce que c'est ta première fois? Oui. There is a same complication, difficult to give birth. Je vois la complication difficile de mettre au monde, d'accoucher, difficile d'accoucher. Oui. And they didn't affect you so much. When you go to hospital, they will tell you this. Later you go, they will tell you another story. Et ça t'a affecté tellement que quand tu vas à l'hôpital, aujourd'hui on va te dire ceci, mais quand tu répares, on va pas te dire autre chose. L'enfant doit être positionné. Because he's not in right position. Parce qu'il n'est pas à la bonne position. C'est ça. Hein? Oui. If God not intervene, si Dieu n'est pas can tell you that go to operation and which is not good for you. Si Dieu n'intervient pas, le docteur va te demander d'aller à l'opération, mais c'est ce qui n'est pas bien pour toi. Oui, madame. Because the baby is not in good position. Parce que l'enfant n'est pas à une bonne position. That is why they want to operate you. Ça peut être ça qu'on veut t'opérer, n'est-ce pas? Oui. Come, let us pray the baby. Viens, on va repositionner l'enfant. Come on.
Moi, je dis, mais pourquoi il pleure? Hein? Qu'est-ce qui va s'arrêter quand on prie? Il tourne. Il tourne. Non. Cette bague-là, est-ce que ça présente ça? Non. Est-ce que
Moi, tu m'as appelé, tu m'as parlé, ou on s'est parlé, ou on s'est communiqué une fois. Hein? Est-ce que tu m'as vu déjà parler avec toi ce genre de choses? Non. C'est la première fois. Oui. Mais comment c'est bien directement pour te dire ça? Qu'est-ce que le problème? Parce que mon Dieu est partout. C'est partout. Amen. S'il y a un obstacle qui est grave, que Dieu n'est pas encore intervenu, je vois qu'il va m'envoyer. Mais quand Dieu est déjà intervenu en train de la régler, doucement, je ne parle pas. J'ai pas seulement de lui terminer. Il t'a donné la bague. C'est où c'est? Ce qu'il t'a donné là, c'est où c'est? Hein? C'est ça. Qu'est-ce que ça? Les bagues que ton frère t'a donné là, il t'a dit que ça fait quoi? Il a dit ça protège. Ça te protège. Ça te protège. Oui. Ça te protège. Oui. Il y a encore autre chose. Il t'a donné l'explication de ça. Oui. Quelle est l'explication qu'il t'a donnée? Il m'a dit que ça me protège beaucoup. Ça te protège? Oui. Et puis quoi encore? Avec la santé. Et puis encore. Parle, sois libre, ne t'inquiète pas. Ici, c'est la présence de Dieu. Nous, on veut tout faire pour te libérer. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Et si tu es venu en train de rentrer dans mon vie, oh my God. Il est difficile à l'homme pour identifier qui est le véritable Dieu. Véritable homme de Dieu. It is difficult for man to identify the real man of God. La question de s'ouvrir tout. Pourquoi on te donne sept ans, initiation, c'est un bas qui allait. En fait, il y a beaucoup de l'option qui ça. So qui est maintenant retourné contre toi, contre ta vie. Là, tu vois. Donc, si on ne fait pas attention, je suis en train de te voir perdre ta vie. Donc, il y a besoin de s'ouvrir pour qu'on doit te délivrer pour que cette source te lâche. Tu as compris? Si tu ne te ouvres pas, on te délivre. Pour que la délivrance soit complète, il faut te ouvrir. C'est ça. Parce que là, je viens directement pour toucher le point, mais je te laisse pour t'exprimer pour que tu dois te déconnecter. Je vais commencer à dire voilà ça. Oui, je peux le dire, mais Dieu ne m'a pas conduit ça comme ça. Il me conduit, laisse la personne aussi pour se ouvrir. Il se détache. Amen. Je vais te parler. Tu viens avec qui? Parle avec toi. Monsieur le comme je veux. Hein? Je veux bien ça. Est-ce que tu veux parler bien? Je vais te parler. Oui. Hein? Oui. Ok. D'abord. Ta vie, la manière que tu l'as mené, n'est pas bon. Oui. Tu comprends? Oui. Hein? Oui. Comment tu permets les gens pour te mettre dans le trou de faire n'importe quoi? I would allow people to put in the hole to do anything else. Ta vie n'est pas bon. Your life is not in order. Ça là, j'appelle ça la vie banditise. La vie banditise. Si en fait de partir, rentrer, tu sais que rentrer. Tu pourrais dire comme ça? Non. Tu pourrais dire comme ça? Non. Tu savais ton ami qui avait donné le sang? Hein? Ton ami qui a perdu son sang à cause de ses années de vie. Si le prophète est David aussi continue comme ça. Non. Il a perdu le sang, failli perdre sa vie complètement. Oui. Hein? Oui. Ça l'est pas le prêt. C'est par la grâce de Dieu qui fait en sorte que son souffle reste à force. Sinon, il devait déjà perdre sa vie. Et toi, tu veux continuer comme ça? Non. Hein? Non. Sans sa vie.
pour que tu dois avoir la grâce de Dieu pour rentrer cette nouvelle année. Change ta vie maintenant, pas demain, maintenant. T'as compris? Parce que ta vie n'est pas bonne. Tu es agressive. Tu peux faire n'importe quoi comme tu le fais. Et c'est là, tu es prêt à tout. À cause de manquement. À cause de manquement. Manque de soutien, manque de finances. Hein? Il y a un cher. Il connaît le père. Le père, le père. On appelle ça comment? Le père. Et le maître en dessous. Le père. Hein? Il marche. There is a one. One that is walking. Il marche. Walking. Moving. Il marche. A one. C'est pas un verre ordinaire. It's not an ordinary one. C'est un verre qu'on a. It's a one that they invoked in. On a invoqué pour être dans ton ventre et entrer de se nourrir ce qui est dans ton ventre. It is a one that they invoked into your stomach to be eating up your intestines. Si on ne fait pas attention, on le laisse grandir, 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 grandir jusqu'à ce moment-là. Tu vas te retrouver que le fibrom. Comment le fibrom se manifeste, tu ne peux pas comprendre. If you leave him until a certain moment, they will say it is a fibrom that is inside, but you don't know how the fibrom come about. Ça, c'est ça que c'est qui a fait de manifester dans ton ventre. That is what is manifesting or happening in your belly. Et lui, il a causé beaucoup de choses dans votre vie. He has caused a lot of things in your life. Mais je vais m'arrêter là. Je vais te voir le reste, on va en parler. Parce que ta vie a besoin de l'intervention de Dieu. I will stop here, pastor. I need to see privately, but your life needs the intervention of God. Tu n'as pas. Ne pense pas que tu es abandonné ou tu es seul. Don't think that you have been abandoned or you were alone. Parce que tu te sens seul. Because you're feeling lonely. Est-ce que je parle avec vous? Am I talking to you? Donc ne te sens pas de cette manière. Ça c'est une manière où le diable utilise pour t'approcher, pour commencer à te baisser à tout le monde qui est autour de toi. Don't feel that way. That is the way that the devil is using to for you to, you know, ignore or hate everybody around you. Quand tu commences à réfléchir à cette manière, tu vas commencer à te détester. Tout le monde qui va être autour de toi. Tout le monde autour de toi. Tu vas commencer à te détester. When you will continue to start to hate people around you and it will create problems for you. Nous allons prier pour toi et cette situation va terminer et puis ton cerveau. La tête sera posée par le nom de Jésus. Amen. Une voix négative, il te parle. Hein? Et quand ça arrive jusqu'à un moment, ça parle jusqu'à un moment là, il ressent des violents maux de tête. Hein? Des violents maux de tête. Ok. C'est la raison de laquelle je suis vers toi pour t'expliquer ça avant de trouver la solution. Hein? Pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive? Ça a commencé le moment où tu t'es réveillé en sursaut avec un rêve. Et dans un rêve qui? Et tu te réveilles comme ça. Et tu ne sais pas qu'est-ce que tu pensais que c'était en réalité. Et quand tu te réveilles, au même moment que tu te réveilles, après quelques temps, tu te réveilles dans ton sang. Et puis tout ce temps-là que tu attends dans ta voix négative. Hein? Manipuler ton esprit, voilà pourquoi cette attaque est venue. Tu comprends? Je suis en train de regarder là où on est en train de te manipuler. Mais pour moi, c'est quoi? Il y a la solution, tu ne l'as pas révolue. C'est pour trouver la solution. Mais laisse-moi pour te dire. On t'amène ces gars en train de te fétiche. C'est la raison pour laquelle ton esprit a cessé de se trouver. Tu comprends? Voilà pourquoi tu vois ces années, des symptômes-là, qui t'arrivent. La voix négative que tu attends là, que tu attends là, c'est-à-dire que c'est dans le pan du Ganga, on est en train de citer ton nom pour te
fait que Dieu attend la bonne énergie, je ne sais pas où c'est, comment ça se passe. Mais après on est arrivé ici, c'est l'arrivée divine.